Mais justement, vous dites que vous n'êtes pas invité sur les plateaux de télé. Les écoles, elles, ont essayé de vous inviter. Après la présidentielle, vous avez fait une tournée des grandes écoles, on s'en souvient. Et puis, il y a eu ces révélations de Mediapart sur des scandales d'agression sexuelle, accusations que vous avez toujours démenties. Mais voilà, les écoles, elles vous ont aussi interdit leur accès. Et même à l'ENS où vous avez été invité, vous avez reçu une lettre ensuite qui vous accusait à nouveau de harcèlement sexuel sur personnel. C'est scandaleux. Alors, sur la dernière école, l'école nationale supérieure, l'école normale supérieure, j'ai répondu, mais on ne m'a jamais répondu. Hein. Monsieur le directeur s'est cru obligé de dire que j'avais maltraité ces deux directrices. Il se trouve que j'étais accompagné par mon attaché et les étudiants sont venus me chercher eux-mêmes pour pas que je sois en retard. Et j'avais une militante qui était là et qui a fait des photos et qui montre ces deux directrices en toute joie. Si franchement j'avais fait ce qu'ils subodoraient que j'avais fait, elles n'auraient pas été dans ce cas-là. Donc pour toutes ces accusations, elles sont fausses. C'est une commande de l'Élysée. C'est une commande de l'Élysée, oui, on est carrément sur le complot. Oui, je ne suis pas un complotiste, mais je sais de quelle manière ça s'est passé et si ceux qui veulent savoir. C'est l'Élysée qui veut vous tuer politiquement. Ah, mais en fait, comment expliquez-vous le fait que cela me tombe dessus, alors que je n'ai jamais été mis en cause? Tout le monde sait que je suis un bon vivant. Dieu sait si j'ai aimé les femmes, c'est normal. Mais je suis marié aussi, je vous le rappelle, j'ai 4 enfants. Personne jusque-là n'avait rien dit sur ce plan-là, parce qu'il n'y a jamais rien eu. J'ai joué au rugby, je n'ai jamais mis un coup de pied à un joueur à terre, et je n'ai jamais pris une fille par les fesses. Voilà. Vous avez... À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.